On a fait tout ce qu'on avait à faire ici. Il est temps de repartir à l'aventure. Salut tout le monde, je suis Nala, salut Limic, et aujourd'hui, on se retrouve dans Evoland 2. Et si je récapitule, nous avons besoin de prendre la mer. Je ne sais absolument plus pourquoi. Bonjour. Pour être fan de marin, il faut savoir être patiente. Et éviter de se faire trop de soucis aussi. Surtout avec toutes les histoires qu'on raconte sur l'île maudite. Voilà, nous, il faut qu'on... Mais reviens, reviens, espèce de forban. Je veux te causer. Ah, toute la journée à déplacer les caisses et les tonneaux. C'est fatigant, mais ça paye. Parfait. On veut rejoindre l'île maudite pour je ne sais plus quelle raison. Il nous manque deux choses. Enfin, on a besoin d'aller sur l'île maudite. Mais je vous admets, je me souviens absolument plus ce qu'il faut d'autre. Il me semble qu'il faut aussi aller voir le prophète. On verra ce qu'on peut faire. Les marins sont très superstitieux. Il n'y a qu'à les écouter parler de l'île maudite. Ils croient qu'elle est toujours habitée par le fantôme du pirate Robert. On ne sait même pas s'il a vraiment existé, ce pirate. Alors, son fantôme... Baby, on va essayer d'aller découvrir tout ça. S'il vous plaît, est-ce que je peux embarquer? Est-ce que vous pouvez me convaincre? Pas question de quitter le port pour l'instant. J'ai un mauvais pressentiment et je me trompe rarement. Sûrement encore un coup du fantôme de l'infâme pirate Robert. Cette île au large est maudite. Depuis le temps que je le répète. Si vous voulez naviguer, allez demander une lettre de force majeure à un membre du conseil des marchands. Je ne bouge pas d'ici sans ça. Vous devriez en trouver un à Genova en cherchant un peu. Mais ça va sûrement vous coûter cher. Les marchands ne donnent rien sans rien. Ah, d'accord. Retour à Genova, quoique... Quoique... Allons voir chez le prophète. Direction le prophète, c'est de l'autre côté. Je ne sais pas si on va pouvoir... Ce barrage, si on va pouvoir trouver des trucs. Le grand destructeur vous châtiera tous. Qu'ai-je donc fait pour mériter des nains si pareils? Alors, personne ne vient m'ouvrir. Nous avons appelé quelqu'un, vénérable prophète. Comment osez-vous me faire attendre? Ah, enfin! Un de ces jours, il faudrait que je change ce mécanisme. Mais c'est la meilleure façon de protéger ma très précieuse pierre du temps. C'est ça qu'il nous faut, c'est ça! Il y a de l'orage. Bonjour. Je ne pensais même pas escalader la pyramide. Elle est très glissante. Même les célèbres écuries ninja n'auraient jamais atteint ce sommet. Pour y entrer, il faudrait arriver par les airs. Mais sans elle, c'est impossible. Aucun risque qu'un humain puisse voler un jour. Ah, d'accord. D'accord. Cette porte est fermée. Mais vous voyez cette magnifique pyramide? C'est nous qui l'avons faite. Cela a demandé beaucoup d'efforts. Mais le jour où l'eau recouvrira tout, nous pourrons nous y réfugier. J'ai tout de même un petit doute concernant un léger détail. Vous pensez qu'elle va flotter? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ah non, ça se casse pas. Oh, la déception. Bonjour. Je suis venu jusqu'ici pour devenir disciple. Mais la formation des novices est très compliquée. Il faut maîtriser de nombreuses notions. Je ne suis pas certain d'y arriver. D'accord. Bon, on va pas parler à tout le monde, hein. Explorons. Bonjour.
tête, j'ai toujours rêvé de toucher la pierre du temps. Mais cet honneur est réservé aux prophètes. C'est notre plus grand trésor conservé au sommet de la pyramide. Pensez qu'en la touchant, on peut communiquer avec le grand destructeur. Oh, permettez, je casse vos pots. Vous en avez pas besoin de toute façon. Bon. Qu'est-ce que vous êtes, vous, en groupe de trois? Tu veux passer l'examen des novices? Oui! Bien. Écoute attentivement ma question et choisis la bonne réponse. La catastrophe a été le premier signe de la destruction du monde. Quel sera le deuxième? Le déluge! Tout à fait, tu connais tes leçons. C'est la raison pour laquelle nous construisons la pyramide. Nous pourrons ainsi tous y survivre lorsque l'eau recouvrira tout. Ta formation des novices n'est pas achevée, cela dit. Hein. Adresse-toi aux autres professeurs pour poursuivre ton examen. D'accord. Tu veux passer l'examen, c'est ça, hein? Ouais. Bien, écoute attentivement ma question. Pareil que l'autre, quoi. Avant de détruire le monde, le grand destructeur doit faire quelque chose. De quoi s'agit-il? Dépasser les 9000 puissances. Mauvaise réponse. Il semblerait que ton enseignement soit encore inachevé. Retourne étudier la sainte parole du prophète. Tu peux également demander conseil aux autres disciples. Reviens nous voir lorsque tu auras la réponse. Et toi, tu demandes quoi? Tu veux passer l'examen, c'est ça? Mais t'as déjà tout une fois. Oh, c'est pas grave. Voilà ma question. Avant de détruire le monde, le grand destructeur doit faire quelque chose. Mais c'est la même réponse. Allez aux toilettes. Non, mais où est-ce que t'as été chercher ça? Ça, retourne étudier. Fuck. Ouais, tu nous as déjà parlé, on s'en cogne. C'est pas grave. Au pire, on piffe les réponses, hein. Le chiffre 5 m'a toujours intrigué. C'est vrai, quoi, c'est un chiffre spécial, vous ne trouvez pas? On retrouve constamment l'histoire des 5 petits cochons, la légende des 5 mousquetaires, et bien entendu les 5 clés que le grand destructeur rassemblera avant d'anéantir le monde. Bizarre autant qu'il tranche. Pourquoi 5? Merci. Voilà, il faut pas aller chercher la réponse bien loin. Ça me semblait un petit peu la réponse la plus plausible, faut dire. Mais au moins on sait que les réponses sont dedans. Bah allez, vas-y, t'as la réponse à la question, c'est quoi? Il a besoin de quoi, le grand destructeur? Rassembler les 5 clés. Ouais, c'est ça, t'as trouvé! Les clés ont certainement un sens caché, mais le prophète est catégorique à propos du chiffre 5. Ta formation de novice n'est pas encore achevée. Il te reste une question, demande aux autres, là. L'autre, là, qui me regarde, c'est un loser, mais il faut pas lui dire. T'as trouvé les deux autres questions? Ok, attends. C'est mon tour, voyons voir, qu'est-ce que je pourrais te demander? Voilà, je sais. Le grand œil est le symbole du grand destructeur. Il est gravé sur notre trésor le plus précieux. Quel est ce... Vous arrêtez pas d'en parler, c'est la pierre du temps et je la veux... Quoi? Oui, c'est ça, c'est la pierre du temps, effectivement. Elle est même gardée au sommet de la pyramide. Le prophète l'a découverte à la limite du smug peu après la catastrophe. Eh ben, avec tout ça, t'as passé l'examen. Mais ce n'est que la première étape. Avant de devenir disciple, il te faut aller dans la vallée du vent, puis escalader le mont Alpha. Au sommet du mont Alpha, tu devras méditer une journée entière devant notre symbole, le grand œil. Alors seulement seras-tu prêt à devenir disciple. Ouais, je sais, c'est un peu gonflant, mais il faut le faire. C'est où le mont Alpha? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi le mont Alpha? Au secours, je sais pas où c'est sur la carte. C'est pas grave. Vous voulez bien me dire où est le mont Alpha, s'il vous plaît? Non! Blablabla. Il a fallu une semaine pour forcer la porte, on a dû le remplacer. En fait, a déclaré que les courants d'air étaient une présage de destruction du monde. Ouais, oui. Oui. Enfin, j'aime pas l'orage. Il faudrait qu'on trouve le mont Alpha. Hmm.
Ouais. Bon, on va essayer de chercher notre laissez-passer pour tout ça. Peut-être par là, je suis en train de me dire. Vallée du vent. Ah bah tiens, voilà. Faisons notre poisson rouge. C'est désert. C'est quoi ça? Celui qui cherchait à voler comme le vent. L'inventeur inconnu, 943-1012. D'accord. Je suis sûr on peut faire mieux. Yeah. Je vous reconnais, cela fait bien longtemps. Que faites-vous donc ici? On appelle ce lieu la vallée du vent. Même le gardien du vent n'y a pas été vu depuis des lustres. Un homme a bien tenté de raviver le vent, mais il est mort avant d'y parvenir. De toute façon, comme vous le savez, rien de tout ça n'a vraiment d'importance. T'es qui? D'où tu nous connais? C'est pas grave. Oh, un coffre! Ah, bonjour messieurs, j'ai besoin de passer. L'accès au sommet du Mont Alpha est réservé aux apprentis qui souhaitent devenir disciples du prophète. Si vous n'avez pas suivi l'enseignement des novices, nous ne vous laisserons pas passer. Oh, c'est toi le nouveau novice? Ah, on m'a prévenu que tu viendrais terminer ta formation. Vas-y, passe. Mais prends garde à toi, c'est dangereux. Mais on n'a rien à faire des novices qui sont faibles. Seuls les meilleurs ont leur place dans le monde après la destruction. D'accord. D'accord. Est-ce que vous m'en voulez si j'essaye de... Oh! De détruire la destruction. Ah non! Oui. Ok, ça fonctionne comme ça. Frappe orbitale! Merci. À moi l'XP! Paradada! J'en étais sûr. Oh! Plein de boost! Trop bien. Bon. Frappe orbitale! Ça fonctionne toujours aussi bien, ça. Ah! Oui! Ah! Ta-ta-ta-ta! Oui! Voilà. Bonjour l'araignée. Meurs l'araignée. Frappe orbitale! Puissance 2! Merde! Il y avait des cailloux. C'est pas grave. Attends, c'est de l'instant de death! Au secours! Bon. Objectif, essayer d'être prudente. Oui. Oui. Frappe orbitale. Basique. Boing. Frappe orbitale. On va essayer de pas se faire avoir comme une abrutie. Bon. Ça passe. Champignon. Non. Tu recules. Tu recules. Frappe orbitale. Craignez ma... Mon ami. What? C'était quoi ce saut? J'ai sauté beaucoup plus haut que je n'aurais dû. Ah! C'est pas grave! Je pars les projectiles avec mon épée! Je suis forte comme ça, moi! Ce n'était pas l'objectif, mais en soi. Bouing! 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 Frappe! Frappe latérale! Bouing! 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 C'est bon, on est arrivé! Bouing! Frappe orbitale, maxi puissance! Ouais, j'ai tout touché! Je pensais pas toucher autant de trucs. C'est pas grave! À moi l'XP! Aïe! Méchante! Meurs! Merci!
Ben voilà. On progresse tout doucement. Un ticker. À moi le ticker. Tu ne m'échapperas pas à ma vigilance. Voilà, ça meurt. J'ai aucune idée d'où je vais, hein, cela dit. Voilà. C'est quoi ça? C'est des champignons. C'est des champignons volants. Redescends le champi. What? Aïe! D'accord. D'accord. J'ai mal. Bon. Ça va demander un petit peu de doigté. C'est pas grave. Wouah! La vache! Mais comment on est censé passer? On va y arriver, on va y arriver. Aïe! On va y arriver, on va y arriver. Peut-être en attendant que ça remonte, on fait tout simplement. Il est en train de redescendre, là il remonte, il remonte. Là on est bien! Ah. Voilà! Il suffisait d'être pas... D'accord. C'était quoi ce... Ah, il apparaît, il disparaît! Adorable. Oui. Attends. Non! L'XP! Oh, j'ai eu l'XP. L'XP a été sauvé. C'est méchant. C'est méchant ces plateformes où tu sais pas où tu dois aller. Voilà. Oh non, de l'XP, je prends. Bouing, bouing. Voilà. Voilà. Tata. On va y arriver. On va y arriver. C'est notre mot du jour. On va y arriver. J'ai eu l'XP. C'est oublié. Faut que j'arrête de courir après tout l'XP. Tout celui-ci. Celui-ci est gratuit. Lui il est attrapable, il est gratuit aussi. À moi le coffre! Une étoile! Ah non, hein. De la mana! Dane, j'aurais pas cru. Est-ce que tu peux dégager le texte? Faut que ça change. Oh, ah! 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 C'était la chute la plus palpitante que j'ai fait dans le jeu. Je crois que j'allais mourir. Reviens, saloperie de sol. Merci. Merci. Sauvegarde. Bah, moi, je voulais ça. D'accord, ce passage qui ne servait à rien. On va aller à gauche. Il y a plus d'XP. Padadada!
Voilà, je l'avais dit. Oh, plus de dégâts! Ah non, l'XP! Ah, je l'ai eu. Ah non, j'ai glissé. Ah, j'ai glissé. C'est pas grave. C'est pas grave, on est juste à côté, ce me semble. Oui, voilà. Raté! Aïe. Voilà, on est full life. Voilà, là on peut sauter sereinement. Oui mais. Allez saloperie. Qu'est-ce que quoi? J'ai été repoussé. On m'a dégagé. Aïe. Je suis une abrutie. C'est pas grave. C'est pas grave. Tout va bien. Là, on saute, on saute. Voilà. Oh, je le sens pas. C'est bon. C'est passé. C'était stressant, mais on a eu l'étoile. Génial. Voilà. Maintenant, on peut grimper. Non, reviens. Reviens, saloperie. Parfait. Oui. Non. C'est bon. Tout va bien. On prépare la frappe orbitale puissance 2. Merde, c'est vrai, ils sont toujours en vie. C'est après qu'il faut les tuer. Non. Non, méchant. Méchant champignon. Bah vous... Ah! Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Bonjour madame. J'en étais sûr. Vous êtes aussi un archéologue, vous aussi. Depuis toute petite, je rêve de découvrir l'un des grands secrets des magies. C'est un truc bizarre qui s'appelle l'anomalie. Si un jour je trouve l'emplacement de cette anomalie, je deviendrai mondialement célèbre. Mais comme je ne sais même pas à quoi ça ressemble, pour l'instant, je cherche. D'accord. Je ne te préviendrai pas si je la trouve. Oh, au secours. Au secours. Je sens que ça va me casser les pieds. Ok. De là, on peut étudier. Fail. Oh non monsieur. J'aime pas ce genre de plateforme. D'accord. J'aime pas du tout ce genre de plateforme. Non. Il faut que je colle. Il faut que je colle à gauche. Chiant. Au secours! Je
avec moi. Non! Voilà! Cette fois, tu frappe orbital. Merci. Joli. J'y avais pas fait attention à celui-là. C'est pas grave. C'est point grave. À part si tu me dis qu'il y a des choses au-dessus. Non, bon. Petite frappe orbital juste pour s'en assurer. J'ai l'air conne là! C'est pas grave, on a toujours une super technique qui s'appelle le. Mon suicide! Ma super technique de suicide! Je peux pas me suicider! C'est pas grave. Ils vivent leur meilleure vie. C'est pas grave, on aura laissé passer une étoile. Ce sera pas la première fois. J'ai pas confiance. D'accord. Tout va bien. C'est ça dans le vide, au secours! Aïe aïe aïe. Voilà. Aïe. Non mais je te tapais, ne m'ignore pas. Ça ne passait pas. C'est pas grave, c'est pas grave, on est juste en dessous. Tout va bien. Aïe! C'est pas grave. C'est pas grave. Deuxième tentative! Oh! Oh! Je viens de comprendre. Bouya! J'en ai eu qu'un sur les deux. C'est pas grave, ça me convient parfaitement. Voilà! Paradada! Oh, de la gelée rouge! Eh ben, j'ai bien fait de refaire le chemin! Oui! Je me suis mangé le plafond. Ah! L'air libre! Enfin! Ah, je respire. Eh ben, écoutez, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette ascension de la Vallée des Vents vous a plu. Moi, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine! Allez, bye bye les gens!